Alors, bon matin tout le monde. Formule différente ce matin, plus style coffee talk. Je pense que ça va être le fun en fait de le faire à cette heure-là parce que, bon, on a eu un petit empêchement à midi, mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont disponibles en ce moment qui ne peuvent pas l'être sur l'heure du dîner. Donc, formule différente. Aujourd'hui, on est le 12 septembre. On reçoit Véronique Ouellette, qui est une coach extraordinaire, qui est mon amie aussi. Je vais faire une petite présentation rapide de Véronique si vous ne la connaissez pas. Véronique, elle est maman de deux belles petites filles, Rosie et Charlie. Elle est coach depuis 4 ans et demi, donc on a commencé quasiment en même temps, hein, Véronique et moi, elle un petit peu avant moi. Elle est mentor de son équipe Pink Tribe, qui est maintenant 4 étoiles diamants. Elle travaille fort pour être élite avec son équipe cette année. Elle est aussi coach première 2016, puis c'est elle qui organise avec sa petite équipe du Market Council nos beaux événements du Super Samedi. Donc, quand vous allez au Super Samedi, elle en fait partie. Puis, j'ai demandé à Véronique, en fait, quand je lui ai demandé pour être mon invitée sur l'appel d'aujourd'hui, j'ai dit « Véro, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as envie de parler? » Moi, j'aime ça quand les gens décident de ce qu'elles ont envie de parler parce que c'est important que ce soit un sujet qui les fasse vibrer au moment actuel, puis que ce soit un sujet qui soit d'actualité, puis que ce soit quelque chose qui peut servir à tout le monde. Fait qu'elle m'a dit, moi, là, j'aime bien, là, ce qui me parle en ce moment, c'est vraiment de créer un lien de proximité avec mes clientes, avec mes futures clientes, au-delà des chiffres. Puis Véronique, pour vrai, c'est une coach que j'admire pour ça parce qu'elle est ultra vulnérable, ultra transparente sur sa page. Puis je pense que c'est beaucoup avec ça qu'elle réussit à aller chercher des clientes qui lui ressemblent, puis avec qui elle crée de super beaux liens pour éventuellement aussi les amener à être coach dans nos équipes. Je pense que c'est la base de tout, avoir un lien de proximité avec nos clientes. Alors, Véro, je te laisse parler de ton sujet. À toi la parole. Merci beaucoup pour l'introduction. Écoutez, je suis une fille super motivée. J'ai pas nécessairement 10 000 slides PowerPoint pour vous un matin, mais je voudrais comme un petit peu vous parler justement avec mon cœur, puis un petit peu du cheminement que j'ai fait pour, tu sais, ça fait quand même 4 ans et demi que je fais ça. Ça fait 4 ans que Jen fait ça. Fait que je veux vous emmener de où est-ce que je suis partie vraiment, parce que ça, des fois, on l'oublie, on voit l'image qu'on projette présentement sur les médias sociaux, puis on se dit, waouh, tu sais, moi, je me souviens quand j'avais commencé, Émilie, ça faisait déjà un an et demi qu'elle était coach, puis je l'avais beaucoup, beaucoup, tu sais, sur un piédestal, puis j'étais là, waouh, elle rayonne, elle a l'air confiante, je serais jamais game de montrer un avant-après en top de sport comme elle, tu sais. Elle avait toujours les bons mots aussi pour parler aux gens sur les médias sociaux. Puis moi, quand j'écrivais un texte, c'était 2, 3 phrases, puis je savais pas quoi dire, tu sais. Fait que, juste ça pour vous dire que tout peut évoluer, puis je veux aujourd'hui vous emmener où est-ce que j'étais avant, puis peut-être que vous allez vous identifier au avant, puis que vous allez voir le cheminement qui m'a emmené un petit peu plus loin, puis comment est-ce que j'ai fait aussi pour créer des liens aussi avec les gens, des liens de proximité. Donc, je vais vous emmener un petit peu où est-ce que je suis partie sur mes partages sur les médias sociaux. Donc, ça, c'est la Véro d'avant. La Véro qui n'était jamais capable de faire une photo juste avec un sourire normal, qu'il fallait toujours qu'il ait l'air très, très, très clown, extraverti. Même quand c'était des photos avec mon ex-chum, avec sa famille et tout ça, j'avais toujours l'air de ce genre de personne-là. Quand j'ai commencé à être coach, je vous jure, les seules choses que je partageais, c'était des photos de monsieur à moustache que je voyais, genre, tu sais, on trouvait, mettons, des 33 tours chez mes parents, je prenais ça en photo, des vieux monsieur à moustache des années 80 pour faire rire le monde. Je partageais des vidéos drôles, donc j'avais vraiment aucune base sur les médias sociaux. Et j'étais une fille qui détestait me regarder dans le miroir, détestait mon image corporelle, qui avait de la misère à entrer aussi vraiment en relation profonde avec une personne parce que c'était toujours le front. J'étudiais en théâtre, j'étudiais en radio, donc c'était vraiment toujours entertainment, entertainment, soit la plus drôle, soit la plus ci, soit la plus ça. Donc, mes sentiments, je les gardais pour moi, puis ça me terrifiait de devoir, parce que je voyais les gens qui le faisaient, de devoir parler de ça sur mes médias sociaux, de peur d'être jugée, que ma mère dise « en moins, c'est ça que tu as vécu, que tu pensais, je ne le savais pas parce que je ne l'avais jamais partagé avec personne. » OK? Donc, une des premières choses que j'ai fait quand j'ai commencé à être coach, donc vous allez voir Charlie qui est rendu presque à 5 ans. Là, il était un tout petit bébé, il était tellement cute. Quand j'ai ressorti cette photo-là, j'étais là, wow. J'en ai parlé un matin sur mes stories. On avait fait prendre des photos avec une photographe, une photo de famille.
Puis je vous le jure que ça a été le gros débat dans ma tête. Est-ce que je mets la couronne de fleurs ou je mets pas la couronne de fleurs? Pourquoi? Parce que moi, je voulais devenir la fille que j'étais en dedans. Puis l'opportunité de devenir coach, je l'ai vue comme ça. De devenir la personne que j'ai toujours voulu devenir. De la fille qui... justement, qui est un peu hippie dans l'âme, qui veut être libre, qui aime ça, voyager, qui n'a pas de jugement envers personne, en fait. Peu importe la vie que tu veux mener, moi, tu sais, je fais comme, OK, t'es heureux, c'est correct. Puis je voulais que les gens aient l'impression, quand ils voyaient mes photos, quand ils voyaient mes partages, que c'était ce genre de personne-là que j'étais, mais je n'étais pas capable de le dire avec des mots. Fait que j'étais là, si je peux le projeter avec des photos, c'était ça ma première chose que je voulais faire, ben je vais le faire. Puis même mon chum m'avait dit, oh, ouais, une couronne de fleurs hein, sur tes photos, tout ça. Bref, c'est une petite histoire, tout ça, tout pour vous dire que ça a été vraiment la première photo assumée que j'ai mise sur mes médias sociaux. Et après ça est venu le nom sur ma page de Maman Hippie. Parce que c'était vraiment, vraiment ça que je me suis dit, si je mets le nom de ma page Maman Hippie, il va falloir que je sois la personne que je suis en dedans puis que je la fasse émerger. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée du nom de la page Maman Hippie. Puis toute ma vie, les gens me le disaient aussi. « Ah, c'est vrai que t'es hippie, Véro, comment que tu penses, comment que t'agis? » J'étais toujours la personne qui allait parler aux gens au secondaire qui étaient un petit peu rejet ou qui n'avaient pas full d'amis. Tu sais, moi, je veux dire, j'avais une gang d'amis, tout ça, mais moi, je les acceptais tout le temps, puis je disais tout le temps, « Venez vous asseoir à café avec nous autres. » Puis j'ai eu des amis un petit peu bizarres aussi au cégep, tout ça. Puis, mais bref, j'étais vraiment ce genre de personne-là, donc, mais j'avais pas le style. Donc ça, ça a vraiment été la première chose que j'ai fait. Deuxième chose, j'ai eu le guts, puis ça, c'est, écoutez, les photos qu'on prenait, là, dans le temps, nous autres, on est tellement... Vous êtes tellement chanceux d'avoir des iPhone 8 ou 10 là, maintenant. Les photos qu'on prenait dans le temps étaient vraiment laites, la qualité photo. Là. Mais j'ai eu le guts de... ça faisait longtemps que je pensais ça aussi, d'avoir des tatous. Je me suis dit, Véro, il faut que tu mettes ta personnalité de l'avant aussi puis que tu aies le guts de le faire. Puis là, j'ai commencé justement non seulement à être identifiée comme la fille un petit peu hippie, mais la fille justement avec des tatous. Ça, puis là, s'il y a quelqu'un qui voulait s'en faire un tatou, c'était qui ton tatoueur? T'as-tu des références? Ah, il est beau ton tatou! C'est quoi la technique? Tout ça. Donc, ça a commencé à créer, justement, des conversations, des choses comme ça. Là, je vous dis pas demain matin d'aller vous faire tatouer pour créer des liens, des conversations, mais des choses comme ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la personnalité que vous avez en dedans, vous avez l'opportunité de la faire émerger avec cette entreprise-là que vous avez entre les mains. Donc, moi, c'était les tatous, les affaires grano, mes intérêts aussi, ces choses-là. Et là, je vous avais dit aussi que j'étais pas game de montrer des photos avant-après comme Émilie, tout ça. On a tout un commencement et j'ai trouvé ma première photo avant-après que j'ai montrée aussi. Donc, vous voyez que peut-être que vous me suivez ou peut-être que vous ne me suivez pas. Puis si vous ne me suivez pas, allez sur Instagram et suivez ma page Maman Hippie. Je me fais de la publicité en même temps que je suis là. On veut tout avoir plus de j'aime sur notre compte puis qu'il y ait plus de gens qui suivent nos stories, même si c'est des coachs, c'est parfait. Mais j'étais zéro en confiance là à ce moment-là quand j'ai montré ma photo avant-après. Mais c'est la première photo avant-après que j'ai montrée avec une lumière vraiment de merde. Donc, ça a été vraiment le premier pas vers avoir confiance en moi, confiance en mon image corporelle aussi. Et si vous voulez avoir une idée de quoi mes partages ressemblent maintenant, comme je vous dis, il y a aussi l'effet iPhone 8, iPhone 10 qui est là, mais il y a aussi l'effet de la fille qui s'est obligée de se prendre en photo à chaque jour depuis 4 ans et demi. L'effet de la fille qui a trouvé ses intérêts, ses passions, qui s'est ouverte au monde, qui a commencé à montrer sa vulnérabilité, ses émotions, ce qu'elle vivait, qui a commencé à parler de son passé puis à se foutre de qu'est-ce que ses parents ou ses amis allaient penser de ça. Puis, tu sais, même que des fois, puis je suis pas fière de ça parce que comme...
Parce que même comme je vous dis, des fois, ma mère, elle vient me voir puis elle dit « Véronique, j'ai l'impression de vraiment commencer à te connaître à cause de ce que tu fais puis à cause que de ce que tu écris. » Non, c'est de la perte. C'est un signe pour découvrir le numéro de chambre de Victoria. Pourquoi j'entends pas ça? Ok, mais comme je sais pas trop là, t'as un petit peu là. Regarde si. Attends, tout le monde. Non. Ok. Vas-y. Des fois, ça y fait un peu de peine de lire des choses ou des choses qui m'arrivent dans les médias sociaux. Mais moi, je suis une personne puis je me suis rendu compte de ça. Avant d'être coach, j'étais rédactrice publicitaire à la radio. J'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours été une fille qui avait un journal, qui écrivait qu'est-ce qu'elle pensait, qu'est-ce qu'elle ressentait, parce que je n'étais pas capable de le dire. Donc, d'avoir cette tribune-là puis de pouvoir en parler aux gens sur les médias sociaux de qu'est-ce que je vivais, qu'est-ce que je ressentais, mes histoires, mes ci, mes ça, je me suis rendu compte que c'était thérapeutique pour moi. Que ça me permettait de m'ouvrir aussi, puis de m'ouvrir à ma famille, puis ça ouvrait aussi des conversations avec ma famille. Parce que j'ai jamais été capable de faire ça en vrai. Il faut que je l'écrive, puis après ça, mes parents me posent des questions, mes amis ou tout ça. Donc là, j'en parle, puis je suis super émotive, mais c'est vrai que ça m'a vraiment permis de m'ouvrir, puis de devenir la femme que j'ai toujours voulu être. Puis vous avez l'opportunité de faire ça, si vous êtes prêt à faire les actions à chaque jour. Puis comme je vous dis, comme j'ai dit dans mes stories ce matin, puis c'est dur parce que j'avais jamais dit ça avant, je me trouve belle maintenant. Puis j'ai jamais été capable de dire ça avant. Maintenant, je regarde mes photos puis je me dis, Véro, c'est une belle femme et jolie. Je peux dire que je transparais le bonheur, mais que je suis heureuse aussi. Je suis heureuse en qu'est-ce que je fais. Je suis heureuse de qu'est-ce que je fais à chaque jour, de la liberté aussi dans mon travail que j'ai, de pouvoir vous parler ce matin, de pouvoir vous donner la possibilité aussi de redonner au suivant de vous, de travailler sur vous. C'est ça qu'il faut faire, puis c'est la chose la plus difficile, mais regardez qu'est-ce que ça peut donner, par exemple. Puis je suis fière de dire, regardez qu'est-ce que ça peut donner. Je suis contente de ça. Donc, ce matin, ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est pas de dire, regardez qu'est-ce que je suis devenue, tout ça. Puis... Mais je veux vous donner aussi des idées pas à pas comment faire pour vous aussi arriver à ça, puis comment faire pour partager avec des gens, pour connecter avec eux autres. Et là, vous avez déjà entendu cette rengaine-là. Puis là, je vais aller juste brancher mon ordinateur parce que je vais manquer de batterie avant de continuer sur ma lancée. Et que là, ça shut down dans le milieu de la conférence. Ça se fait dans ma plate. Donc, je ne sais pas si vous étiez comme moi ou si vous êtes comme moi. Moi, j'étais le genre de fille qui avait énormément, énormément d'intérêt, mais qui ne faisait rien. Tu sais, j'avais de l'intérêt dans tout ce qui était bouffe, grano, choses bio, cuisine, cuisiner. Mais je le faisais pas parce que j'avais peur d'être pas bonne. J'avais peur que ce soit trop cher. Ou, OK, là, dans une recette, il y avait de la baie de grenade. Je savais pas où aller trouver ça, puis ça m'insécurisait. Puis quand je suis devenue coach, je me suis dit, OK, Véro, tu as de l'intérêt là-dedans, maintenant, fais-le. Trouvez-vous quelque chose. C'est sûr que vous voyez des choses passer sur Internet, des choses qui vous passionnent, mais que vous n'êtes pas game de le faire. Admettons que ça serait faire du paddleboard. Vous avez toujours dit, moi, je vais aller faire du paddleboard. L'été est passé, vous n'en avez pas fait. Bien, l'été prochain, vous allez en faire. Puis vous allez montrer que vous en faites. Puis vous allez montrer que vous tripez là-dessus. Puis qu'est-ce que ça fait quand vous commencez à faire des choses au lieu de vous intéresser à des choses, puis d'exposer des choses, puis des faits, puis tant de grammes de sucre dans telle affaire fait telle chose. Non! Vous faites telle chose pour attirer des gens qui s'intéressent à ces choses-là puis qui veulent les faire aussi, pour les inspirer. Donc moi, ça a commencé vraiment avec la bouffe, avec la cuisine. Je montrais des desserts que je faisais parce que je suis une fille qui est vraiment super dessert. J'essayais d'améliorer tous les desserts que j'aimais avec des choses grano. Donc, je suis allée à l'épicerie de mon quartier bio, puis je suis allée chercher, puis je suis allée demander à la personne,
telle affaire, où est-ce que je trouve ça, il me faut ça pour ma recette. Puis après ça, je le montrais sur mon blog, puis je disais aux gens, si vous voulez la recette, la voici, ou écrivez-moi, blablabla. Puis ça startait des conversations. Autre chose aussi que ça faisait longtemps que je voulais faire, du yoga chaud. Donc, j'ai commencé à être identifiée à ça aussi parce que j'ai commencé à y aller au studio de yoga chaud et d'en faire régulièrement. Oui, on fait des entraînements Beachbody, mais ça se peut que vous vouliez faire du crossfit aussi ou vous vouliez faire, comme je dis, du paddleboard ou du Zumba ou peu importe. Commencez à en faire, vous allez voir que, oups, de fil en aiguille, vous allez montrer que vous faites, admettons, je sais pas moi, du hiking aussi. J'ai commencé à faire ça cet été, aller monter des montagnes justement avec Maud qui est là. On en a fait 3 autres dans l'été aussi parce que je me suis rendu compte que c'était une activité que j'aimais vraiment beaucoup faire. Puis il y a plein de gens, quand on est allé à l'Acropole des Draveurs, qui sont venus me parler en privé. « Ah, t'as fait ça? Puis comment t'as trouvé ça? Puis j'ai jamais été game? » Puis non, non, non. Ça sortait des conversations. Puis de fil en aiguille, je leur ai dit, ben, tu sais, je veux dire, je m'entraîne depuis tant de temps, puis je fais le lift fort, puis ça m'a aidé justement à être plus en forme pour faire telle chose, puis j'avais plus de confiance en moi, ouais, tout ça, nanana. Fait que de fil en aiguille, il y en a qui sont devenues mes clientes à cause de cet intérêt-là que j'ai créé, puis à cause que j'ai commencé à faire des choses. Même chose pour la bouffe santé. Les gens venaient me poser des questions, puis après ça, je leur demandais qu'est-ce qu'ils mangeaient, puis qu'est-ce qu'ils aimaient, tout ça. Puis après ça, je pouvais leur proposer les petits contenants du 21 Day Fix pour qu'ils améliorent justement leur alimentation, parce que beaucoup de gens qui pensent que s'ils font des desserts santé, qu'ils mangent bien, mais en fait, on sait que c'est pas vraiment le cas. Même chose pour les tatous, ça a créé des conversations, je l'ai fait, ça a créé des conversations. J'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à ce qui est les cheveux. Donc, les gens ont commencé à m'associer aux cheveux de couleur, aux cheveux rasés, à la mode, au maquillage aussi. J'ai commencé de plus en plus à être plus féminine sur ma page. Et ça, ça ne s'est pas tout passé du jour au lendemain. Hein. Ça a pris des mois et des mois et des mois. Le hiking... Avoir un nouveau petit chien aussi, qui est maintenant rendu un grand chien, trouver des places où aller marcher avec mon chien, parler de qu'est-ce qui se passe avec mon chien dans mes stories, ça en crée des choses. Mais tout ça, ça va dans faire des choses. Si vous restez, puis je ne vous dis pas, puis oui, je vous le dis, en fait, je veux trop être maman, puis en fait, pas ça si vous ne voulez pas, mais oui. Il faut que vous trouviez des choses qui vont faire que votre vie va bouger, puis que vous allez ajouter des nouvelles choses dans votre vie qui vont faire que vous allez avancer, vous allez devenir une personne différente et que vous allez attirer des gens qui ont les mêmes intérêts que vous. Parce que si présentement vous dites « ma vie est vraiment plate, il ne se passe rien », mais faites quelque chose pour qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Allez-y d'en prendre des intérêts. Allez-y de front, puis parlez-en. Parlez-en sur votre page, parlez-en de comment est-ce que vous vous sentez depuis que vous avez fait ce pas-là, fait ce cheminement-là, etc. Autre chose que je vous ai dit aussi, de parler des expériences passées, comment est-ce que vous avez vécu telle chose, puis de ramener ça aussi à comment est-ce que vous vous sentez maintenant que vous en avez parlé, maintenant que vous êtes dans le projet de coaching aussi. Tu sais, ma mère, là, elle ne savait pas, elle, que j'avais eu des problèmes, des gros problèmes d'alcoolisme à l'université pendant que j'étais là-bas. C'est une affaire de plusieurs choses, puis je n'irai pas là-dedans, mais quand j'ai avoué ça, ça m'a fait du bien. Puis ça m'a ouvert une porte, justement, avec ma mère, puis ça m'a ouvert une porte aussi avec d'autres personnes, puis je ne veux pas nécessairement attirer ceux-là qui sont alcooliques présentement parce que, oui, tu sais, dans un sens, je peux un petit peu les aider à cheminer, mais une personne qui est alcoolique ou qui a des problèmes d'alcool comme j'avais parce que je n'étais pas alcoolique, j'ai réglé ce problème-là parce que c'était autre chose là, de plus profond que ça. Mais je peux connecter avec des gens qui ont déjà vécu ce genre de problème-là, par exemple, qui se sentaient seuls, qui étaient en peine d'amour, qui ne savaient pas qu'est-ce qu'ils voulaient faire dans sa vie, puis qui est rendu à un autre niveau, mais qui cherche un petit quelque chose de plus comme moi, je cherchais aussi.
qu'est-ce que j'ai fait aussi avant d'être coach, que j'ai fait mille et une jobs, que j'étais en théâtre, en radio, de parler de mes expériences un petit peu. Ma première job de radio, crime, je l'ai perdu, je me suis fait mettre à la porte. C'est dur de dire ça, genre, out loud, je me suis fait mettre à la porte de ma première job professionnelle. Pourquoi? Parce que je n'étais pas assez bonne. Puis maintenant, je le dis ouvertement, puis à ce moment-là, c'était la chose la plus dévastateur qui m'était arrivée ever. Mais c'était juste pas le poste qu'il fallait que je fasse. Puis j'ai continué en radio pendant 8 ans après ça, mais tu sais, ça peut arriver, ça, à des gens. Donc, de parler ouvertement des expériences passées pour pouvoir justement attirer des gens qui ont vécu des mêmes choses que vous, puis connecter avec les personnes comme ça, je pense que c'est une des meilleures affaires que vous pouvez faire aussi. Maintenant, où est-ce que je suis rendue? Je suis rendue à exploiter mon... Je pense que j'ai un talent justement en communication, à parler avec les gens, à leur montrer dans quoi ils sont bons, puis les aider à cheminer là-dedans, puis aller un petit peu plus loin. C'est ça qu'on fait en tant que coach, c'est ça qu'on veut pour nos coachs à nous, qui commencent à quelque part, puis qui cheminent là-dedans. Bien, c'est ça que je veux faire, mais à l'extérieur aussi du coaching. Donc, dans 2 semaines, je commence mon podcast, qui va s'appeler le podcast Hippie. Bien, vous allez pouvoir aller vous abonner sur Balados. Et je vais parler beaucoup, beaucoup de plein de choses qui m'intéressent, justement, un petit peu comme sur Facebook, mais de façon vocale. Donc, des as, des chakras, du karma, d'aller parler à des femmes qui ont du succès aussi en affaires, des femmes qui m'inspirent dans la vie de tous les jours aussi, faire des entrevues avec ces personnes-là. Donc, ça va créer une autre espèce de proximité aussi. Je ne vous dis pas de commencer votre podcast demain, mais ça pourrait être un projet à long terme aussi que vous pourriez avoir, tu sais, pour créer une espèce de proximité plus proche encore que d'être sur le téléphone des gens ou d'être en live sur Facebook ou sur YouTube ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est là où est-ce que je suis rendue. Autre chose aussi que vous pourriez faire pour créer une espèce de proximité puis vous faire connaître les choses que vous aimez, puis j'en parlais avec Geneviève, c'est de créer des guides gratuits ou des documents que vous allez pouvoir booster sur votre page Facebook en continu. Admettons, si vous tripez vraiment sur, je ne sais pas moi, le hiking, monter des montagnes, bien, ça pourrait être votre top 5 des montagnes les plus hautes à monter, justement. À la fin, vous faites un espèce de shout-out si vous voulez vous préparer à monter ces montagnes-là. Vous pouvez faire un essai gratuit de ma plateforme en ligne à la maison, tout ça. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez préparer selon les intérêts que vous avez. Ça peut parler de mode, ça peut parler de cheveux, ça peut parler de tatou, ça peut parler de n'importe quoi. Mais le but là-dedans de créer des documents gratuits, des choses comme ça, c'est de vous faire connaître, de connecter avec des genres de personnes qui vous ressemblent. Vous pouvez collecter aussi leur email et avoir des infolettes après ça qui partent sur vos défis gratuits que vous allez faire, sur vos défis santé, etc. Donc, ça, c'est des choses vraiment à créer pour créer une espèce de proximité puis aller chercher des gens qui ont les mêmes intérêts que vous. Puis, il y en a beaucoup qui disent que de créer ce genre de guide-là ou de choses comme ça. Puis, moi, tu sais, je suis pas super fan de créer des choses... juste pour les mettre sur votre page puis les mettre là une semaine, je suis vraiment plus difficile à créer quelque chose pour être là sur le long terme, pour attirer le plus de gens possible sur le long terme, parce que vous pouvez mettre une pub à 2$ par jour pendant 6 mois, si vous voulez, là, pour attirer des gens. Donc ça, c'est une autre chose. Et autre chose aussi que je vous dirais de faire, je vous parlais de parler de votre vérité, parler de votre passé, parler de votre présent, parler de tout ce qui vous intéresse, allez live. Allez live sur Instagram, allez live sur votre page personnelle si vous n'avez pas de page professionnelle. Allez live sur Facebook. Puis hier, j'étais en train de faire ma routine maquillage. J'ai commencé à parler un petit peu justement d'un podcast de Gary Vee que je sais pas si vous connaissez Gary Vaynerchuk, mais si vous le connaissez pas, il faut vraiment que vous écoutiez son podcast, que vous vous downloadiez son livre de développement personnel, Crushing It, parce que moi, il crush my world right now. Je suis allée parler d'un chapitre que j'avais lu pendant que je me maquillais.
Puis c'était vraiment juste ça, mon partage. Puis à la fin, je finissais avec le fait que j'allais commencer mon podcast bientôt, que j'allais commencer un groupe où est-ce que j'allais pouvoir aider les gens, justement, qui voulaient s'élever puis devenir de meilleures personnes bientôt. Donc, de parler de ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous fait vibrer, ça va vous rallumer avec d'autres personnes qui... rallier, c'est-à-dire avec d'autres personnes qui vous ressemblent. Mais il faut que vous ayez le courage de le faire. Donc, une fois par semaine, deux fois par semaine, une fois aux deux semaines, mais allez live, vous allez voir que votre personnalité transparaît beaucoup plus que par écrit, parce qu'on va se le dire, c'est pas tout le monde qui est très bon par écrit non plus, puis c'est bien correct. Puis il y en a qui sont vraiment meilleurs en live, là. Donc voilà, vraiment, est-ce que j'ai tout dit qu'est-ce que j'avais à dire? Je pense que oui. De toute façon, ça fait 25 minutes que je parle toute seule. Ouais! Mais tu sais, Bégo, quand tu as mentionné de se trouver des nouvelles activités, justement, pour avoir des nouveaux sujets à dire sur notre page, je trouve tellement que c'est vrai. Puis tu vois, quand tu le disais, spontanément dans ma tête, qui s'est dit, c'est ouais, mais j'ai pas le temps vraiment de faire d'autres activités, tu sais. Ça vient au fait de dire que c'est un choix de faire, tu sais, comme quand on entreprend notre processus santé, c'est un choix de dire, OK, je vais prendre du temps pour aller faire du yoga show, OK, je vais prendre du temps pour aller faire du paddleboard, je vais mettre ma business de côté, puis je vais amener quelque chose de différent à ma business, justement, en étant différente que d'être tout le temps assis devant mon écran, puis ça va m'amener quelque chose de différent. Fait que, tu sais, je pense vraiment que c'est une question de mindset aussi par rapport à ça, puis il faut justement en créer du temps pour qu'est-ce qu'on pense qui est important. Puis, justement, je pense que ça vient justement une vision différente un peu aussi sur notre page, parce que sinon, on se trouve à tout le temps répéter les mêmes affaires, ça nous démotive, on a l'impression d'avoir rien à dire, qu'on répète la même affaire depuis 4 ans, puis c'est un impasse, tu sais. Fait que justement, il faut faire quelque chose de différent, puis se trouver des activités. Fait que je trouve que c'est vraiment très, très pertinent. Mariez-vous! On va voir ton mariage, là, tu nous maries pas là-bas, tu feras notre crête. Non, c'est déjà... l'inspiration. Tu vas dire ça avant. Mais oui, puis ça, c'est une chose, une des choses que j'ai retenues, puis moi, une des filles que je suis le plus, c'est Amy Silverman, puis ça fait depuis le début, là, puis je me suis toujours dit, ça aurait dû être elle, ma coach! Mais à un moment donné, elle avait dit ça dans un team call, parce qu'elle met tous ses team calls sur YouTube, vous pouvez tout aller les voir si vous voulez. C'est ça qu'elle avait dit à ses coachs, puis c'est ça qu'elle arrête pas de répéter. Trouvez-vous quelque chose à faire, Colin! C'est pas inspirant, justement, quelqu'un qui est tout le temps dans sa maison puis qui fait rien d'autre. Non. Imaginez, là, la personne qui voit vos stories puis fait comme, « Hey, elle fait donc ben rien, hein. Moi, ça me tenterait pas de faire ça. » Tu sais, il y en a des gens, justement, qui ont mille et une activités puis qui se disent, « Moi, je pourrais pas me voir toute seule dans ma maison tout le temps à travailler comme ça. » Faut que vous fassiez d'autres choses. Puis si une des choses que vous aimez le plus dans la vie, c'est justement, comme je vous dis moi au départ, aller à l'épicerie puis aller trouver des nouveaux produits vraiment cool à essayer, bien ça peut être ça aussi là, que ça peut commencer, puis ça prend pas tant de temps que ça à faire. Puis à un moment donné, bien vous pouvez discuter avec votre conjoint ou votre chum puis dire, bien moi le samedi à telle heure, je m'en vais faire du yoga show à chaque semaine, tu sais. Puis c'est mon activité, puis pourquoi que ça me fait du bien, puis vous allez montrer ça sur votre page. Parce qu'on finit par, tu sais, on parle beaucoup du lifestyle, qu'est-ce qu'on peut avoir avec cette opportunité-là, puis finalement, on ne vit pas ce lifestyle-là. Tu sais, on est pris ouais. dans le toujours plus, toujours plus, toujours plus. Puis c'est ça, je pense qu'il faut juste se déprendre de ça, puis commencer à vivre un peu, puis ça va être encore plus inspirant. Ouais. Tu sais, comme je suis la première, là, je pense qu'à un moment donné, ça fait longtemps, ça fait aussi longtemps que toi que je suis là, puis. Mais en même temps, c'est ça, des fois, c'est tellement notre passion aussi, notre travail, qu'on a de la misère à faire de la place pour d'autres passions, tu sais, mais faut le faire. Fait que merci du coup de pied à bonne place à ma part. Ça fait plaisir, les filles. Hey, je sais pas si t'avais des questions pour Béro. J'aimerais bien ça vous jaser, là. Ouais, c'est pas que des questions. C'est un sujet très, très mindset, fait que c'est sûr que des fois, il y a moins de questions techniques, là, mais vous savez, tu sais... Si vous avez des idées aussi de partager peut-être quelque chose que vous avez fait récemment qui a suscité beaucoup d'interactions sur votre page. Je sais, c'est juste de s'ouvrir. Comme moi, je parle beaucoup de ma fille. Puis en même temps, moi aussi, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est négatif. Puis j'en parle pas tout le temps, mais quand j'en parle, ça pogne tout le temps beaucoup. Puis j'ai tout le temps plein de messages. Puis ça crée des connexions par rapport à ça. Puis je sais que je suis pas la seule maman à vivre ça, là, tu sais. Fait que faut doser aussi, comme c'est Marie-Josée, je pense, qui parlait, tu sais, qu'elle avait une maladie maladie neurologique dégénérative. Tu veux pas tomber dans la victimisation où, tu sais, je suis donc bien poche comme mère, ou je suis donc, comme j'ai donc bien ici, cette maladie-là m'empêche de vivre, mais justement, il faut amener ça positif, puis comment que tu réussis grâce à ton mindset à te retourner de bord, puis à avoir une vision positive de quelque chose de négatif aussi. Faut toujours apporter comme une solution
à notre négatif qu'on partage. Parce que sinon, c'est vrai que ça devient négatif et que les gens vont faire comme « OK, c'est vraiment... » Oui, au esprit, là, c'est pas... Justement, il faut toujours avoir un aspect inspirant à ça. Puis c'est correct, ouais. Une journée où est-ce que ça va vraiment mal. Puis que tu te sens pas inspirante, tu peux le dire, mais ça a pas bien été aujourd'hui. Puis tu vas en avoir une dose d'amour, puis tu vas faire « OK, demain, je repasse à 9, c'est une nouvelle journée, puis c'est différent. » Exact. Puis, tu sais, des fois, c'est de prendre le temps, justement, de te remettre sur pied avant de partager. Tu sais, des fois, on veut partager instantanément que ça va pas, même si on n'a rien de positif à apporter. Mais des fois, juste de prendre un moment de recul, puis de voir, OK, qu'est-ce que je peux vraiment retirer de positif de cette situation? Ça peut prendre une journée, là. Puis après ça, tu peux raconter ton histoire. J'ai vécu ça, j'ai réfléchi, ça m'a amené à ça. C'est comme d'autant plus inspirant de cette manière-là aussi. Ouais. Voilà. OK, ben je pense qu'on a fait le tour. Mais merci Véro, c'était vraiment super inspirant. Puis justement, je pense qu'il faut prendre le temps de s'asseoir puis d'écrire ce qu'on veut mettre en place peut-être d'ici la fin de l'année de 1 puis pour l'année 2019. Puis si vous voulez aller faire du paddleboard, on dirait que tu me parlais, hein, parce que moi, c'est comme sur ma liste depuis 2 ans pour du paddleboard, puis je vois pas. Let's go! Tu vas me voir l'enfer l'été prochain. Bon, ben écoute, on se partagera nos photos. C'est bon. Bye les filles! Salut, bye bye!